Bien le bonsoir à tous et bienvenue dans la partie 3 de Hercule. Je suis Ultimate John Doom. Comme vous le saviez, en résumé, nous avons effectué la suite des aventures d'Hercule et que nous avons effectué Thèbes et aussi toute la progression qui ça a pris 19 minutes, si je peux dire, avant de combattre l'Hydre et aussi la Gorgone que de Méduse, bien sûr, pour pouvoir continuer notre progression de l'histoire jusqu'à ce que l'événement que Hadès libère les titans qui envoient le titan de roche, de glace, de feu, de lave si vous voulez, vers l'Olympe, tandis que celui du Cyclope va retourner vers Thèbes envoyé par Hadès. Et j'ai oublié de mentionner aussi le titan de la tempête. Maintenant que nous avons effectué la poursuite, la course vers le Cyclope, on va passer maintenant directement à l'Olympe pour libérer Zeus et les deux autres dieux de la férocité des titans. On est parti! Et on n'a que le... comment? La touche carrée. Sans. Je l'ai. Là, on entre dans l'atmosphère du Titan de roche. Faut faire attention à ces projectiles de pierre qu'il lance. Wow! Ça peut faire vraiment mal. Et n'oubliez pas de faire... comment? De sauver les dieux et déesses des chaînes. Tout comme dans le film. Pas mal! Maintenant qu'on est sorti d'affaire... On passe à une autre atmosphère. Si je peux dire, il y a un défi de l'un des créatures de d'Hadès. Je l'ai eu. Checkpoint. On passe dans une atmosphère plus ouverte. Celle du titan de glace. Faut faire attention à ces stalactites. Aouh! On utilisera en majorité les... comment? Les bonus pour pouvoir progresser. Aouh! Bon sang! Une vie de plus! Tant pis pour les lettres, si jamais je les rate. Et un autre dieu sauvé. Passe dans une atmosphère chauffante. Faut faire attention au cercle de feu. Là, comme on s'éloigne du titan de lave. On va sauver un autre dieu ici. En voilà un autre. En voilà un autre de ces créatures.
C'est bon. Checkpoint. On passe dans une atmosphère de tempête. Par le titan de tempête. De la tornade, pardon. Waouh! Faire attention à ces gros blocs, ces gros boules de rocher. Un autre dieu sauvé. Aouh! Bon sang! Je l'ai! Là on libère maintenant Zeus, le roi des dieux et dieu de la foudre. Et on termine le niveau. Malgré que j'ai raté les lettres, j'ai récupéré que le L. Classement du héros champion. Encore un code. Pas mal. On passe au niveau suivant. On passe au niveau suivant. Le passage du supplice éternel. Ce qui veut dire qu'on entre dans les enfers d'Hadès. Et qu'on doit affronter de nombreux morts. Et aussi faire attention à certains obstacles et des tremblements de terre. Ah! Et surtout ne tombez pas dans le lac des âmes. Ça peut vous tuer facilement. Aïe! La charrette que vous voyez, c'est Hadès sur le destrier. Oula, attention, stalagmite de roc. Si vous faites des légers sauts, vous pouvez prendre les gourdes de santé. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les... Comment ? Toutes les pièces. Boum ! Boum ! À gauche. Checkpoint. Oula, doucement. Aou. Oh oh. Ces gros corps de squelettes sont... peuvent devenir des débris d'obstacles pour Hercule. Aïe. Ah, j'ai pas su avoir les lettres suivantes. Herculade. Oula, doucement. Wow. Ouf. Yep.
Chaudement! Boum! Boum! Ouch! Aouh! Je conserve des vies pour atteindre le prochain checkpoint ou la fin de ce niveau. Waouh, ça doit faire mal. Non. Pas de bol. On reprend. Ok. Oh non. C'est là que je me fais avoir. Allez, on reprend. Les fantômes au-dessus ne font aucun mal. De toute façon, il ne vous dérangera pas. Il se balade n'importe où dans les enfers sans moyen de communiquer. Et aussi de demander de l'aide. Ils n'ont que la souffrance éternelle. Ah, boum! Bon sang! Non, je suis tombé dans le lac des... la rivière des âmes. Il ne faut pas tomber sur la rivière des âmes parce que ça peut vous faire tuer rapidement et aussi perdre une vie très rapidement. Oula, doucement. Oh. C'était juste... Waouh! J'ai parlé trop vite. Bon sang. Ça y est, on y est. La demeure d'Hadès. J'ai déjà 14 minutes et j'ai le temps de faire ce niveau. C'était chaud. Règle numéro 95 dit, concentre-toi. Zéro. Mais c'est pas grave. On passe maintenant dans le dernier niveau, le tourbillon des âmes. Et que c'est ici qu'on va affronter l'ultime adversaire, Hadès, dieu des enfers. Je crois qu'un peu plus de flammes ne nous ferait pas de mal, hein ?
Faut affronter Hadès le plus possible pour réussir. Très bien, mes mignons, et que ça chauffe. Tais-toi, Hadès. Tu ne gagneras pas, Hadès. Très bien, mes mignons, et que ça chauffe. Ça, c'est quelque chose, hein? Wow, ça te fait mal, à ce point-là? Parle trop. Je crois qu'un peu plus de flamme ne nous ferait pas de mal. Allez. Tu ne gagneras pas, Hadès. Ça te fait mal, à ce point-là? Hein? Ouais, Hadès, c'est meilleur! Il parle trop. Ça te fait mal? Très bien, mes mignons, et que ça chauffe! Tu ne gagneras pas, Hadès. Aou! Faut empêcher qu'il lance des coups comme ça. Un feu, un de ses propres feux divines téléguidés. Tête cherche aussi, je peux dire, mais bon. Laisse tomber, Hadès. Je crois qu'un peu de plus de flamme ne nous ferait pas de mal. Ça, c'est quelque chose, hein? Herculade. Très bien, mes mignons, et que ça chauffe. Aouh! Ah ouais, je l'ai touché. Un peu plus de flamme ne nous ferait pas de mal. Je ferais mieux de ne pas trop utiliser. Loupé. Laisse tomber, Hadès. Un casque indestructible. Bouclier. Allez! Loupé! Ouais, Hadès, c'est meilleur! Tu parles trop! Bien, mes mignons, et que ça chauffe. Allez! Tu ne gagneras pas, Hadès. Encore 2-3 coups. Wow, ça te fait mal à ce point-là? Est-ce que j'ai déjà dit? Je n'aime pas perdre! Et voilà! Hadès, dieu des enfers, éliminé! Hercule est vainqueur! Maintenant que je termine le combat contre Hercule, en seulement moins de 30 minutes de vidéo, je réussis quand même. Règle numéro 96. Vise. Tiens. Normalement, c'est le dernier des niveaux, mais bon.
Et voilà comment je termine le jeu. Et aussi que je peux dire, c'est très court pour moi, de mon avis. En 3 vidéos pour simplement ce jeu. J'espère que cette partie de vidéo et ce jeu vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager à ceux qui sont fans du rétro gaming et aussi du Disney. Encore une fois, mes pensées et aussi mes soutiens à Minirex, que je souhaite entièrement donner mon encouragement et la passion du jeu vidéo. Autant vous dire que la passion jeu vidéo et Disney continue. C'était Ultimate John Doom pour RQ.